La requête place les actes et omissions génocidaires d'Israël dans le contexte plus large des 25 ans d'apartheid, des 56 ans d'occupation et des 16 ans de siège imposés par Israël à la bande de Gaza. Un siège qui a lui-même été décrit par le directeur des affaires de Gaza de l'Agence de secours et de travaux des Nations Unies comme un tueur silencieux de personnes. Chaque jour, le peuple palestinien subit des pertes croissantes et irréparables en termes de vie, de biens, de dignité et d'humanité. Nos fils d'actualité montrent des images de souffrance qui sont devenues insupportables à regarder. Rien ne pourra mettre fin à ces souffrances si ce n'est une ordonnance de ce tribunal. Sans indication de mesures provisoires, les atrocités se poursuivront, les forces de défense israéliennes indiquant qu'elles ont l'intention de poursuivre cette action pendant au moins un an.